Je vais changer les siphons pour des siphons garde-glace. Une énorme vis qui était dans le update. La bande est complètement coincée, je sais pas, rouillée, c'est pas trop, donc impossible de la dévisser. Aujourd'hui, shopping. Je vais passer dans une brocante dans laquelle je suis jamais allée. Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on enchaîne toujours dans la salle de bain, maintenant j'ai un joli fond beige sable derrière moi. Je voulais déjà commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne. Peut-être que certains d'entre vous m'ont connu grâce à ma dernière vidéo sur la cale carrelage dans cette pièce. Donc bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde en fait. Vous avez été pas mal à me rejoindre et à vous abonner sur ma précédente vidéo, donc je vous en remercie. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite donc à faire comme vos prédécesseurs et à vous abonner pour soutenir cette chaîne déjà. Avant tout, moi ça me fait super plaisir de voir que ça grandit, qu'on est de plus en plus nombreux ici. Vos abonnements en fait c'est bête hein, mais s'abonner à une chaîne c'est gratuit et pourtant ça apporte énormément de soutien. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire, surtout si vous voulez voir la suite des vidéos. C'est vrai qu'on peut oublier, moi ça m'arrive de suivre des créateurs et de pas m'abonner à la chaîne et je vois pas toutes les vidéos arriver. Et puis nous on va enchaîner tout de suite. Maintenant que le gros chantier de la colle à carrelage est terminé, je n'en suis pas mécontente, on va passer à la suite. Je vais me changer et puis on va se mettre sur tout ce qui est plomberie. Donc on a les mitigeurs à changer, les bondes évidemment, et en dessous je vais changer les siphons pour des siphons garde-glace. Moi j'ai pris ceux de chez Leroy Merlin qui se présentent comme ceci. Donc en gros j'ai acheté mes petites bondes qui vont être noires assorties à mes nouveaux mitigeurs. Et donc habituellement le siphon va se positionner ici. Et là on va avoir le siphon qui se positionne à l'arrière. Donc ça va déporter toute cette partie-là et permettre d'avoir plus de place, notamment parce que moi je vais faire un tiroir. Ensuite, tous mes raccords plomberie se font comme ça à l'arrière. Là, je vais devoir me mettre sur le côté pour longer le mur, évidemment. Donc, il va falloir que je fasse aussi quelques raccords d'évacuation de ce côté-là. Mais voilà, il y a quelques petits challenges encore pour aujourd'hui. Mais le but, c'est d'arriver à faire toute la plomberie cette semaine pour qu'on puisse utiliser la salle de bain. Ça y est, on va arriver aux 7 jours. Donc en fait là j'ai on va dire 3 jours devant moi pour faire tout ça, qu'on puisse réinvestir cette salle de bain enfin. Évidemment ce sera pas la fin de la rénovation parce qu'il y a encore plein de choses à faire ici, notamment les tiroirs dont je viens de vous parler. Il sera déjà utilisable. Il y aura aussi le sol à changer, d'ailleurs j'ai toujours pas fait mon choix. Enfin quand on se rend au magasin pour voir les modèles que j'ai repérés, les références que j'ai repérées, directement, je pense que ce sera plus facile de choisir. Tiroir sur mesure, sol, sûrement des petites étagères aussi en bois, un encadrement en bois pour notre grand miroir. J'avais la customisation aussi de notre lumière, évidemment le coffrage au-dessus pour la plomberie, la porte, enfin bref, tout un tas de projets, tout un tas de challenges encore, donc faudrait écouter. Et c'est parti, je vais me changer et on se met tout de suite sur les mitigeurs et la plomberie. Bien, nous y voilà. Faut que je démonte tout ça. Je me suis acheté ce petit outil qui est fait pour couper les tuyaux. Il faudra que je monte la bande en premier pour visser le nouveau siphon sur la bande, etc. C'est toujours le moment dégueulasse là. Surtout qu'on n'a jamais, depuis qu'on est là ici, on n'a jamais nettoyé, on n'a jamais vidé les bandes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une énorme vis. Une énorme vis. Qui était dans le... Très bien. Et puis sa couleur, elle doit être là depuis longtemps. Regardez pas. We didn't guide life by just trusting our instincts. And had to think about it, and had to purposely and discipline and push our lives around in accordance with the foresight of words and systems of signals, accountancy,
2000 years later. Update, la bombe est complètement coincée, je sais pas, rouillée, c'est pas trop, donc impossible de la dévisser. Même avec la force de monsieur, il ne vient pas, donc on essaye tout ce qu'on peut. Ah putain, c'est... complètement cassé le truc. À tous les coups, ça va faire pareil pour la seconde. Ouais, c'est sûr. Bon, je l'ai éclaté. Fusionné, en fait. Je l'ai défoncé, mais je l'ai eu. Les deux parties ont complètement fusionné. Ouais. Ah, mais vraiment, toutes les difficultés qui peuvent exister, elles sont pour nous. Ça sent pas bon. Et je vous passe rapidement en voix off sur cette partie-là parce que le son est devenu horrible sur la vidéo. Donc en gros, il faut que je visse l'ensemble jusqu'en haut, là où je pointe avec mon doigt. Et la manière dont est découpé le plan vasque qui a été fait avec ce polystyrène là ne me permet pas de visser l'ensemble en fait. Le mitigeur avait dû être monté avant de poser le lavabo. Donc il faut que je trouve un moyen de faire une découpe là-dedans. Pas très compliqué, mais pas pratique non plus. All throughout your life, when you don't divide, then you will be fine. But if you don't abide, you'll be pushed aside. Suspense. Faire un petit cordon suffisamment long pour faire le contour ici. Je vais visser, ça va s'écraser. J'aimerais plus qu'à enlever le surplus. Je fais ça en haut et en bas, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Et là, normalement,
Les gars, aucun risque de chute. Bon bah, du coup, je peux pas tester, mais on va espérer que ça fonctionne. Je remets la protection, on sait jamais. On se remet aux choses sérieuses. Je faisais des découpes et que j'allais chercher et faire des raccords comme ça. Bon, bah écoutez, c'est parti pour aller au magasin. Alors, me voilà de retour. J'ai acheté ces petits coudes. Je voulais prendre un petit peu de tube et je suis tombée sur ceci, des tubes flexibles. Et en fait, comme j'étais pas sûre que l'angle de mes coudes là serait le bon, et je me suis dit bon bah écoute, du coup comme ça, si je ne suis pas hyper précise dans ma coupe, d'être plus sûre que ça va fonctionner quoi normalement. évidemment j'y ai là. Ok, donc ça se met ensuite ici. Hop. Ah, je vais même bouger ça. D'accord. Voilà, plus qu'à coller tout ça. Me voilà douchée, la zone est nettoyée. Ça y est, j'ai monté le deuxième lavabo aussi, enfin le deuxième mitigeur et tout l'ensemble. Voilà, c'était exactement la même chose que pour le premier, donc je vous ai pas filmé cette partie-là. En plus, comme je suis devant la moitié du temps, bon, pas très intéressant tout ça. J'ai eu les mêmes difficultés, donc le même problème avec la bonde qui ne se dévissait pas, donc on a dû casser. Mais sinon tout le reste s'est à peu près bien déroulé, les raccords se sont faits sans trop de difficultés. J'ai laissé sécher un peu la colle des tubes et tout. Donc voilà comment cela se présente, donc petit mitigeur et les bondes. J'ai déjà rempli avec de l'eau. Pour checker qu'il n'y ait pas de fuite au moins du côté du mitigeur. Donc là-dessous, ça ressemble à ça. J'ai utilisé une petite méthode probablement inédite. J'ai enroulé en fait chacun des raccords avec du papier toilette pour pouvoir repérer en fait si jamais il y a des fuites. Et en même temps que ça ne goûte pas sur la cale à carrelage en dessous. Donc j'ai fait la même chose évidemment de l'autre côté. J'ai déjà du coup utilisé l'arrivée d'eau, donc ça m'a l'air sec, c'est plutôt bon signe. Sans pas qu'il y ait de fuite. D'ailleurs, du coup les bandes clic-clac fonctionnent bien, puisque je n'ai pas de souci d'eau qui se fait la malle par la bande, donc... Ça, on est content aussi. On va tester. J'ai mis pas mal d'eau, comme ça le siphon en dessous se remplit bien, etc. Puis on peut checker toutes les zones de fuite potentielles. Pas de traces de fuite ici. Et ça me sent plutôt pas mal.
Je vais laisser de toute façon le papier au moins jusqu'à demain matin. Alors, on va faire de même de ce côté. Déjà, l'évacuation se fait très très bien. Et ici. Écoutez, tout a l'air de bien se passer. Pas d'humidité ici. Pas d'humidité ici. Je crois qu'on est sur une réussite. Je crois qu'on est bon. On l'a fait. J'ai en plus été plus vite que ce que j'aurais pensé. Je m'étais donné 2 jours pour faire tout ça, parce que comme j'ai toujours des galères, vous savez bien. J'avais prévu large, mais on est bon. Le design est plutôt sympa. Bon, là, évidemment, ça fait très noir sur blanc, noir sur clair, mais il va y avoir les tiroirs, des petites étagères, des petites choses contrebalancer un peu le contraste qu'on a là. Et puis demain, on se met la barre de douche. Voilà le programme. Et je ferai les joints aussi silicone. Du coup, je vous dis à demain. Et puis, je pense que sur le reste de la semaine, si j'ai pas besoin d'être à la maison pour une chose quelconque, on ira peut-être voir à Castorama pour le sol, du coup. On va peut-être faire ça pour le reste de la semaine. Et bonjour. Bienvenue dans le bazar de la salle de bain. Vous voyez pas trop, mais il y a plein de bazar partout. Je suis en train de remettre un peu les affaires à l'intérieur. Je suis essoufflée. Et j'ai été prise d'une folie. Je vais pas tarder à poser la barre de douche. Et en fait, avant ça, je me suis dit, lance-toi, mets de la peinture en bombe sur le robinet de la baignoire. Oui, je sais ce que vous vous dites. C'est une mauvaise idée. Probablement, mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a envie de le faire quand même. J'ai poncé au maximum la surface. Je vais peut-être, je pense même en remettre une petite couche. Et après, je vais appliquer cette peinture-là que j'ai mis dehors sur les pieds de la pergola. Puisqu'ils étaient couleur alu, là, c'était, je crois que c'est de l'acier. Galvanisé, non, je veux pas dire de bêtises. Bref, j'ai fait ça sur les pieds de la pergola. Je l'ai fait au printemps et la peinture n'a absolument pas bougé. Alors, c'est pas la même surface, c'est moins lisse quand même, mais globalement, c'est, je pense, une peinture quand même très résistante. Donc, j'ai envie de tester. Donc, ça se présente actuellement comme ceci. C'est pas le moment de bousiller les murs. J'ai tout bien protégé, scotch, bâche, nanana. Et si ça fonctionne pas, je mettrai pas ça dans ma vidéo. Ce serait coupé au montage. Laisser sécher, je pense que je remettrai une deuxième couche plus tard. Et pendant que ma petite expérience est en train de sécher derrière, on va commencer à marquer un petit peu l'emplacement de la barre de douche. Donc j'ai cherché des barres de douche noires, assez simples. Je n'ai rien trouvé de très satisfaisant, ou alors vite très très cher. Et finalement l'autre jour en passant chez Monsieur Bricolage, je suis tombée sur ce kit. Donc il contient une barre de douche, un pommeau et un flexible de 2 mètres, ce qui est important puisque moi c'est effectivement ce dont j'avais besoin, surtout pour David. La seule particularité c'est que la barre de douche est à coller et non pas à fixer avec des vis. J'ai l'impression que tout ça est assez plastique, en particulier le pommeau de douche. Au pire des cas, si ça ne dure pas très très longtemps, j'aurais payé ça 35€ et je pourrais changer les éléments. Autant la barre de douche, elle, pour le coup, je pense que c'est plastique aussi, mais ça me semble plutôt costaud. Reste à voir si cette partie-là va tenir dans le temps. Il faut manuellement monter, descendre. Il n'y a pas de système, vous savez, à visser ou quelque chose comme ça qui maintient le truc à la bonne hauteur. C'est efficace, il y avait les caractéristiques dont j'avais besoin sur le moment, donc on va se satisfaire de ça. Bon, c'est pareil, voilà, le système de rotation, en fait, quand on met le pommeau comme ça. Ouais, c'est bon. Ce genre de truc, on est d'accord, ça va pas tenir 10 ans, quoi. Je pense. C'est plutôt sobre, c'est efficace, ça coûte pas 300€, donc écoutez, moi je pense que ça va être pas mal pour le moment. On va prendre les mesures, je vais centrer ça. L'avantage de ça, c'est que clairement, j'ai pas besoin de percer, quoi. Donc ça, c'est un grand oui.
I see light in the morning. Say you'll stay with me. Under the bedsheets I'll keep you warm. Say you'll stay with me. We can get lost in our universe. But no one else can see. Faut que je chante? Non, t'es pas obligé. La chanson, c'est facultatif. Mais attends, mais là, tu vas jamais attraper la bonne douche. Ah bah attends, il faut que tu mettes ici ou quoi. Si je veux mettre à ma taille, je mets là et puis voilà, c'est bon. Ouais, c'est pas stop, pas stop, pas. Ah, je t'ai dit, ouais, c'est... Bon, bah c'est 35 balles, hein, c'est normal. Hein. Donc moi, je serais d'avis de mettre un tout petit peu plus haut. Oui, mais c'est sûr. Comme ça, t'as un petit peu de marge, toi. Oui, Allez, ça part. J'étais sûr, j'ai pris shot. I see light in the morning. Say you'll stay with me. Under the bedsheets I'll keep you warm. Say you'll stay with me. We can get lost in our universe. No one else can see. Holding our breath till the bubble bursts. Just say you'll stay with me. J'ai également acheté ces petites patères pour accrocher au-dessus du sèche-serviette et faire une accroche supplémentaire pour les serviettes. Donc sous la partie vasque, j'ai acheté trois panières comme ça, dont une qui est présentement remplie de notre linge. Donc trois panières comme ça qui viendront sous les meubles et donc sous les vasques et sous les tiroirs que je vais créer. Donc il y a un compartiment où j'ai la place de mettre une panière comme ça dans la largeur et sous l'autre compartiment j'ai la place d'en mettre deux dans le sens de la longueur, donc deux côte à côte comme ça. Donc il y en a une qui servira pour le linge en remplacement de la panière qu'on avait et l'autre qui servira pour entreposer des choses, donc notamment les serviettes de bain par exemple que je pourrais plier et mettre dans les panières. Voilà, je passe à la suite. Je vais replacer la barre et le rideau de douche. Je ne pense pas remplacer mon rideau de douche pour le moment, j'aime beaucoup ce rideau de douche. Je sais pas, ça apporte un petit truc en plus quoi. Et de la couleur, ce qui n'est pas négligeable non plus, vu que cette salle de bain est très très claire. Holding our breath till the bubble bursts. Just say you'll stay with me. Say you'll stay with me. Say you'll stay with me. C'est pas mal. Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, shopping. Je vais passer dans une brocante, dans une ressourcerie, recyclerie dans laquelle je suis jamais allée. Et ensuite, on va à Castorama voir les sols pour la salle de bain. Je pense que ça va se jouer entre les deux modèles que je vous avais montrés sur Instagram, que je vous avais fait voter d'ailleurs entre les deux. Et ce matin, j'ai eu un appel et une excellente nouvelle. En fait, hier matin, on a fait un rendez-vous très long de 3 heures avec l'entreprise qui va nous poser la pompe à chaleur pour avoir du chauffage plus économique et plus écologique que ce qu'on a actuellement, mais aussi. Et ils vont aussi nous changer le chauffe-eau pour un chauffe-eau thermodynamique. Donc on a eu un long rendez-vous hier pour toute la partie technique, voir les possibilités, etc. Et ce matin, la personne m'a rappelé pour positionner les rendez-vous de travaux. Et figurez-vous que ça commence très vite, on s'en fiche un peu de la date. Voilà, donc je suis très contente, j'espère que tout va bien se passer. Ce sont des travaux qui vont durer 5 jours et du coup je pense vous faire une vidéo très prochainement. Un petit peu, du coup ce sera je pense quasi full face cam avec des images rajoutées pour vous montrer un petit peu l'état des lieux et des choses. Une vidéo avant travaux pour vous expliquer quel est le projet, répondre à certaines questions que j'ai déjà eues sur le sujet, voir combien ça nous coûte, les aides de l'État, tout ce genre de questions-là. Donc n'hésitez pas à me dire là maintenant dans les commentaires. Vous pouvez être quand même assez nombreux à être concernés aussi. Si vous faites de la rénovation de votre maison, potentiellement la question rénovation énergétique est une question qui vous intéressera également. Moi je trouve que c'est passionnant. On a aussi l'isolation des combles à faire. Ça interviendra malheureusement dans un second temps et c'est difficile de prévoir quand puisque
il faut que à ce moment-là, il fasse il ne pleuve pas. Bref, ce sera des questions qu'on abordera dans la vidéo que je vais dédier à ça prochainement. Je vais essayer aussi de filmer un petit peu les travaux qui vont être faits par les entreprises avec qui on va travailler. Ce sera peut-être du coup intercalé entre deux vidéos de rénovation de la salle de bain là. Voilà, enfin bref, en attendant cette thématique là, je me dirige vers mes objectifs du jour. On va aller voir cette recyclerie, ressourcerie. J'espère que ce sera un jour où on trouve des pépites. La vidéo d'hier avec le petit haul qui devait d'être dans cette vidéo en revenant de ma petite brocante. Je vous ai pas montré ce que j'ai acheté, donc je me suis dit que j'allais faire ça aujourd'hui. Alors, j'ai acheté quelques accessoires, on va dire cuisine, à commencer par ces petits, comment ça s'appelle, spatules, par ces petites spatules en bois, vous savez, pour la raclette, très de saison tout ça, et on n'en a pas. Donc bah écoutez, voilà, formidable, 1€, les 6, 9, hein, il y avait encore le petit cerclage en plastique dessus et tout. Une petite pince comme ceci pour cuisiner aussi, c'est pratique, pareil, 1€. On avait également une petite panière comme ça, à l'ancienne, pour mettre du pain quand il y a des invités. C'est tout bête, mais on n'avait pas ce genre de petite panière là, donc bah voilà, pareil, 1€. J'ai également trouvé, cette fois pour la salle de bain plutôt, ce petit pot extrêmement mignon. Je vais essayer de faire le point dessus. Et je me suis dit que pour mettre une petite plante dans la salle de bain, ce serait très très bien. Et d'ailleurs, ensuite, je suis allée chez Castorama, vous savez, pour prendre le sol, etc. Et ils avaient un petit rayon promo avec des petites plantes. Donc j'ai acheté ceci. Ne me demandez pas le nom de la plante, je ne le connais pas, je n'y connais rien. J'ai juste vérifié sur internet pour savoir si ça vivait bien dans une salle de bain. Apparemment oui, ça demande aussi assez peu d'entretien et d'arrosage, donc ce sera parfait. Le format va super bien puisque donc je suis pas hyper fan du petit pot qui va avec. Hop, voilà, j'aurais pu aussi le repeindre, mais en fait comme j'ai un joli cache-pot, regardez-moi ça comme c'est mignon. Et en objet déco, pour finir, j'ai trouvé cette petite map monde. Trop jolie. Je pense que cette partie-là, c'est en laiton. Et je la trouve superbe. 1€, il y a encore l'étiquette dessus. Je vais mettre ça en déco dans le salon, pour l'instant sur un meuble posé. Mais je l'imagine surtout dans une bibliothèque. Et je compte faire une bibliothèque dans le salon plus tard. Si vous avez vu le home tour, où je parle de tous les projets de rénovation dans la maison, vous savez de quoi je parle. Quand je l'ai vu, je me suis dit tu vas regretter de ne pas l'avoir pris si tu la prends pas. Donc voilà, pour 1€ franchement. Et enfin on termine par un objet pas du tout déco, pas du tout tout ça. Vu le prix, je me suis pas privée. J'ai acheté un mastermind mais ancienne version. Il faut savoir que c'est un peu bête, mais on a déjà un mastermind, sauf que c'est les masterminds de
maintenant, quoi. Enfin, je sais pas, c'est, ils ont refait un peu le design, etc. du jeu. Et j'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai acheté ceci afin que je le nettoie bien comme il faut, etc. Mais voilà, je cherche aussi d'ailleurs une bataille navale dans les brocantes comme ça, parce que David rêve d'en avoir une. Mais plutôt, voilà, pareil, les versions qui se faisaient avant. Voilà, c'est tout pour ce... C'est un mini haul, mais ma foi, très intéressant. J'ai donc aussi, du coup, récupéré le sol que je vais poser dans la salle de bain. On va faire ça dans les prochains jours. Allez, je vous le spoil. Attention, comme je l'avais dit, c'est un sol PVC autocollant. Hein, et j'ai pris la version marron foncé. Je me suis dit que je déciderais en magasin en voyant les produits. Arrivé en magasin, il n'y avait pas de stock sur l'autre produit. Donc je me suis dit, ben voilà, la décision est prise, je me suis pas compliqué la vie. En plus, je trouve que la couleur est bien. C'est un chocolat, c'est assez neutre comme tonalité. Et il est foncé, mais quand même assez, voilà, vous voyez, de toute façon, il y a pas mal de détails, c'est assez nervuré. C'est très bien, je pense que ça fera un joli contraste dans la salle de bain. Et ça ira bien aussi avec les accessoires qui sont noirs. Voilà, c'est tout pour ce haul. Et la moi du montage vous reprend pour vous dire que c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai pour la pose du sol, entre autres, dans la prochaine vidéo. Qui sera peut-être pas la prochaine, qui sera peut-être pas celle de dans 2 semaines. Je vais voir si j'intercale la vidéo concernant la rénovation énergétique de la maison. Ou si j'enchaîne directement avec la rénovation de la salle de bain. Je vais voir, mais ce sera soit l'une soit l'autre. En attendant, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas... Vous connaissez la démarche, on clique le petit pouce. Je vous réinvite également à vous abonner si ça n'est pas fait et si ça vous fait plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.